La paix du Christ, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, 14e dimanche du temps ordinaire de l'année B, notre thème qui nous rassemble est faire face aux critiques dans nos vies. Un dicton si épur, un lion ne perd pas le sommeil à cause des racontars des moutons. En effet, qui n'a jamais été critiqué dans sa vie? Qui n'a jamais essuyé des critiques et des jugements malgré qu'il fasse le bien? Les grands hommes comme Nelson Mandela, comme Martin Luther King, de grandes femmes comme Mère Teresa ou Bakita, ont tous été jugés par les gens de leur temps. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, parfait de son état, est aussi critiqué, jugé et mis à mort. Malgré sa perfection, malgré les miracles qu'il fait, même ses proches ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il est. Oui, toute notre vie, nous serons incompris par les hommes. Pendant l'enfance, peut-être, on nous a appris à ne pas dévoiler notre vie aux autres, à garder nos affaires privées. On a tellement peur d'être jugé par les autres. On ne veut montrer qu'une bonne image de soi aux autres afin qu'ils ou qu'elles disent du bien de nous. Il est en effet impossible de plaire à tout le monde. Oui, plus de 7 milliards d'habitants sur cette terre, et ce serait un miracle si tout le monde nous acceptait tel que nous sommes. J'ai l'habitude de dire que si on ne nous juge pas, si on ne nous critique pas, nous deviendrons plus paresseux et plus ennuyeux. Tu ne te connaîtras vraiment toi-même la force de tes relations que lorsque ces relations ont été éprouvées par l'adversité. Nous ne devons en aucun cas lâcher de faire le bien à cause des critiques des autres. La meilleure manière de surmonter les jugements, c'est de ne pas s'apitoyer sur les bruits extérieurs, mais d'écouter au fond de nous la voix du Seigneur. Apprendre des critiques nous rend plus forts et nous aide à continuer à apprendre. Il n'y a aucun chemin sans obstacle, mais c'est la manière dont nous gérons celle-ci qui fait la différence. À Mère Teresa de répliquer, ce qui compte, ce n'est pas l'effort mis dans ce que vous faites, mais plutôt l'amour que vous mettez dans ce que vous faites. Mieux vaut les critiques d'un seul que l'assentiment de mille, stipule le proverbe chinois. Bon dimanche et bonne journée à tous et à toutes.